La troisième période, c'est quand même celle où s'affirment réellement des pratiques de fréquentation, fréquentation de l'eau, avec une sophistication de la fréquentation, avec l'installation d'établissements relativement élaborés, et cela, ça date des premières années. Du 19e, et en particulier, euh, disons, euh, ça s'affirme, euh, à mon avis, avec le milieu du, 18e, du 19e et la deuxième partie du 19e. Alors, il, il faut faire une remarque supplémentaire que je n'ai pas encore faite, et qui est la suivante. Les établissements, lorsqu'ils s'installent, ah, écoutez, c'est banal, mais encore faut-il y penser, ils sont dépendants de l'eau. Donc, la première idée, c'est s'installer sur un fleuve. Bien. Et puis ensuite, est-ce qu'on peut s'éloigner du fleuve Pour s'éloigner, il faut quand même faire venir de l'eau. Donc en fait, l'éloignement ne commence vraiment qu'avec euh, un travail gigantesque euh, qui va, qui suppose d'ailleurs euh, la, qui suppose euh, la disposition euh, industrielle, les forces industrielles. Qui est un travail gigantesque qui consiste à faire venir des canaux, des canaux dans les villes. En particulier, c'est l'ourcq. Le canal de l'ourcq est décidé par Napoléon Ier en 1806. Mais il n'arrive à Paris que dans les années 30. Il arrive au-dessus. Donc, euh, à partir de là, euh, l'eau le, le, peut descendre et alimenter, et, et donc, effectivement, plus facilement servir des établissements de bain et des établissements de piscine. Et quand vous voyez comme ça euh, la, 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 quand, quand, ce que j'avais fait, quand vous calculez le nombre d'établissements euh, dans Paris, vous voyez que leur augmentation, est, évidemment, est parallèle à l'apparition euh, d'une disponibilité euh, d'eau, bien sûr moi j'avais noté par exemple c'est uniquement à partir des années 30 qu'on commençait à avoir des établissements qui s'éloignent de la Seine hein. euh, donc 10 établissements euh, euh, qui, qui sont dans la rivière en 1908 puis euh, plus d'une vingtaine à partir des années 30 et puis alors en plus ces établissements sont intéressants parce que euh, ils euh, ils continuent il continue de croiser la natation, le thermalisme, l'imaginaire de, de la mer, donc ils peuvent vous servir des huîtres. Vous voyez, il y a un truc assez compliqué où ce qui pour nous est totalement distingué ne l'est pas encore complètement à leurs yeux. Mais ça, c'est un premier point global, si vous voulez. Deuxième point, il y a, dans cette première moitié du 19e, des établissements qui vont devenir des établissements luxueux. Donc la pratique, la pratique concerne euh, insensiblement euh, des personnes euh, qui euh, disposent euh, de finances importantes. Et l'établissement le plus important, dont les bains de ligny, vont s'améliorer en utilisant, tenez-vous bien, le bateau cénotaphe qui amenait les centres de Napoléon dans les années 40. Donc la piscine s'enrichit. La piscine, euh, la piscine euh, va. Utiliser des cabines luxueuses, le bois est partout, le bois est sculpté. Et donc là, il y a, effectivement, vous voyez, il y a une sorte de, de fréquentation élitiste. Et du coup, c'est intéressant socialement, parce que vous avez d'un côté cette pratique de l'élite, et d'un autre côté, vous commencez aussi à avoir une pratique populaire, ce qu'on appelle les bains à 4 sous. Et les bains à 4 ils sont sur la scène. Palissade, simplement, vous voyez. Palissade. Alors, ils sont méprisés. Ce qui est intéressant d'ailleurs dans cette affaire, c'est que le, la question du froid, elle a du mal à céder. Voyez, dans l'imaginaire des gens, euh, le, le froid c'est bien un élément renforçateur. Donc ils ont du mal à céder. Alors comment, comment le montre-t-on ben, Ils disent dans ces bains ben, sous ils sont tous, euh, euh, disons, euh, accumulés, ils sont coincés, contigus les uns contre les autres. C'est chaud, c'est chaud. Alors comme c'est chaud, ça ne vaut rien. Et au contraire, il faut favoriser le bain véritablement de la Seine, l'eau euh, euh, froide, etc. Il faut faire du bain en pleine eau. Alors, Deligny vous propose deux choses. Hein. Deligny vous propose euh, le bain particulier avec euh, la cabine, etc. Et il propose aussi de vous conduire avec une barque en pleine eau. Alors là, c'est la grandeur, vous voyez. Bon, donc il y a bien là le, le fait, de se, la, la difficulté de se défaire de cet euh, imaginaire du froid, alors que les modes de fonctionnement du corps au début du 19e ne sont plus ceux de la, de la tension, de l'électricité. C'est déjà des modes de fonctionnement très élaborés, énergétiques. C'est-à-dire que finalement, le corps il fonctionne au début du 19e, hein, dans l'imaginaire des gens, avec l'oxygène, le brûlure, le fait que ça brûle et que ça, con, que ça consomme que, et que ça se transforme. La chaleur se transforme en énergie. Les grandes découvertes. De la, de la question énergétique au 19 e Carnot etc l'équivalent mécanique de la chaleur voilà c'est comme ça que le corps fonctionne mais malgré cela on reste toujours fondé sur l'idée que euh, bah, c'est le c'est le froid hein, qui l'emporte voyez il y a eu vis-à-vis -vis de Chaillot sur la rive gauche de la Seine une école de natation à l'eau chaude elle existe peut-être encore mais franchement nous n'avons jamais pris cet établissement au sérieux c'est une baignoire monstre donc, le 19e est traversé par cette idée. Et donc, on voit ici réellement le fait que la pratique de l'eau, dans sa diversité, dans son, je dirais, son mélange, etc., euh, devient plus fréquente, plus présente. Avec des limites. Alors, j'ai essayé de, 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 essayé de cerner les limites. Il faudrait faire un grand travail, que je n'ai pas fait. Il faudrait faire un grand travail d'archives pour voir. Euh, est Ce qu'il en est exactement des implantations, euh, euh, le fait d'avoir payé euh, pour occuper les lieux, etc. Mais sans, sans passer par les archives, les livres vous disent beaucoup. Hein. Par exemple, euh, le journal des enfants 1847, le sport des enfants. Bon, est-ce qu'il y a la natation ben non, il n'y est pas. Voyez Donc ça c'est parlant. Aucune mention de la natation, du bain, des rivières en 1847 dans le journal des enfants. Alors que euh, le, le titre c'est le sport des enfants ou encore, toujours dans le journal des enfants, vous avez quand même, à un moment donné, la partie de natation. Mais aussitôt, attention, les imprudences, vous pouvez vous noyer, apprenez à nager, etc. Vous voyez, faites-vous conseiller. Bon. Donc, des limites. Néanmoins, néanmoins, indiscutablement, je le disais et je le redis autrement, la fréquentation de l'eau, essentiellement euh, dans les bains dont je viens de parler, où on commence à voir très discrètement... De la fréquentation sur les rivières, vous le voyez dans les livres. Entre autres, le livre des jeunes filles, Paris 1846. Et eh bien là, on voit qu'un maître apprend à nager à une jeune fille, et ça se fait évidemment dans une rivière. Ça ne se fait pas du tout. La piscine, c'est une invention de la fin du 19e. Hein. La piscine, au sens où on l'entend, avec le toit, etc. Bon. Donc, euh, le livre des jeunes filles, voilà. Et puis alors, il y a des conseils donnés au maître. Il ne faut pas précipiter l'enfant dans l'eau, il faut le soutenir avec une ceinture, il faut le tenir avec une perche, il ne faut pas que sa tête bascule dans l'eau, etc. Donc, il y a des méthodes, vous voyez. Euh, et donc, euh, manifestement, euh, cette, cette présence, avec de surcroît, et je terminerai là-dessus pour ma deuxième partie, ma troisième, ma troisième partie, je terminerai là-dessus, avec de surcroît.. Une, une attention qui va, qui va également croissant à l'égard de la mer. Donc vous avez l'insensible apparition de bains dans la ville, premier point, vous avez une fréquentation qui reste modeste mais qui est notable dans les rivières au milieu du 19e, et vous avez indiscutablement une attention nouvelle à la mer. Alors on l'a vu dans la deuxième moitié du 18e, à Southampton, euh, euh, Freewin qui plonge, etc. Mais ça va être de plus en plus présent. Alors ça va être présent de deux façons, ou à la limite même de trois, je dirais. De deux façons. Allez, disons trois. La première, c'est le bain de mer au début du 19e, et pendant longtemps, jusque dans les années 70, 80, le bain de mer, il est valorisé parce que c'est un bain froid. Et il est valorisé parce que il doit se prendre, donc ce n'est pas la Méditerranée, c'est l'océan, parce qu'il doit se prendre à la lame. Alors vous avez cette image extraordinaire qu'une fois encore je regrette de ne pas projeter, mais que je vais essayer de décrire. Cette image extraordinaire du baigneur. Alors il y a des baigneurs dans les, les petites villes comme ça de bordure de mer. On appelle ça les baigneurs. Et ils prennent le curiste. Vous voyez, c'est encore une image de un curiste. Ils prennent le curiste dans les bras et ils le jettent à la lame parce que il y a deux réactions le froid et le choc. Voilà. Et ensuite on la reprend. Et alors l'image est folle parce que la personne qui est curiste, elle a un une corde autour de la taille. Et le baigneur la jette et puis retire avec la corde. C'est complètement fou par rapport. à... c'est co complètement oublié. C'est fou par rapport à ce que nous nous connaissons. Et ce sont d'autres. C'est ça qui est intéressant de questionner sur la, sur le l'eau. Le, c'est que ça renvoie à des imaginaires qui sont pas les nôtres. Ça renvoie à d'autres temps. Ça renvoie à d'autres types de sensibilité. C'est quand même incroyable. Et dans les textes, vous avez un tel baigneur est meilleur que tel autre. Euh, il s'est mieux porté. Euh, il s'est mieux lancé, etc. Oui, une sorte de hiérarchie dans les baigneurs. Bon. alors que les types ils passent leur vie euh, les, les, les jambes dans l'eau. Donc ça, c'est un point. Donc le bain à la lame, premier, premier euh, type de pratique concernant l'eau. Puis, il y a un bain plaisir qui commence à émerger. Mais il n'émerge que tard, C'est ce c'est pas en 1805, vous voyez, c'est plutôt 30-40. Alors là, il y a cette description que j'ai souvent citée et que je, plais, que je me plais à citer, qui est complètement nouvelle, sidérante et d'un certain côté passionnante parce qu'elle est quasi-actuelle, de Jules Janin. Un texte des années 40, du 19e. Il est vrai que d'abord, c'est un grand plaisir et une grande fête sentir le flot qui se brise à vos pieds en écumant. Avancer pas à pas et tout d'un coup se jeter dans une vague menaçante. Vous voyez, on, 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 surplombe, on, on surmonte la menace, on l'affirme. Se jeter dans une vague menaçante qui vous prend au corps avec force et qui, bientôt, domptée, vous balance doucement comme un enfant. Vous allez, vous venez, vous êtes tantôt dans le ciel, tantôt dans l'abîme, l'eau est tiède. Attention, c'est important, l'eau c'est est un plaisir. L'eau est tiède, l'air est frais, vous oubliez l'heure qui passe. Ça c'est un texte complètement neuf des années 40 du 19e, et qui nous fait rentrer dans quelque chose qui commence à être un peu le plaisir. C'est plus simplement la, la dureté, l'hygiène, le choc, etc. Ça commence à être quand même quelque chose qui est de l'ordre de la jouissance et cette jouissance eh ben voilà elle va s'affirmer à la fin du 19e siècle avec triomphe de la Méditerranée c'est-à-dire que plus les stations de la Méditerranée ne sont plus des stations d'hiver à partir des années 90 du 19e ce sont des stations d'été. Et ce qui compte, c'est le fait de pratiquer la nage et de pratiquer une nage par plaisir. Bien, il y a des termes, si vous voulez, sur la Méditerranée. Mais les termes, c'est autre chose. Vous, voyez, vous avez d'un côté cette nage-plaisir et puis le thermalisme. Et donc, j'en viens à mon quatrième point.